Eh bien, salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour l'épisode 7 de Super Hot. Donc là, nous sommes dans un... On s'était laissé là la dernière fois dans un grand couloir. Donc on a terminé le niveau d'avant. Donc là, au niveau précédent, enfin suivant, excusez-moi. Voilà. Nous sommes dans un grand couloir, comme je viens de dire. Et nous allons arriver à l'endroit qui se nomme la machine... je sais pas comment il se nomme, mais on va dire que ça s'appelle le... Le centre de contrôle de la machine. C'est le cerveau, quoi, en gros. D'où le cerveau qu'on avait vu sur normalement sur le jeu. On avait un petit cerveau qui se dessinait comme ça. Il me semble que peut-être que là, vous me le refaire, non. Répétez après moi. Je vais Auschwitz avec le noyau. En fait, Auschwitz, pour eux, c'est se téléporter dans le noyau, en fait. Se contrôler un autre corps. C'est ça, Auschwitz. Mais bon, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent, pour moi c'est pas ça, mais voilà, pour eux c'est ça. Après ce serait peut-être pas pareil, mais... Mais il y a moyen que c'est un rapport hein, quand même, il y a un moyen. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais ça se trouve, il y a vraiment un moyen. Il y a vraiment un rapport, voilà. Donc là, nous sommes au noyau. Voilà, le cerveau en gros. C'est ce machin là, cette espèce de pyramide là. Et on peut la Auschwitzer comme ils disent. Donc en fait là on va aller dans le truc et on va essayer de la contrôler. Vous allez voir, c'est pas évident. Donc voilà, il y a un petit cerveau comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on est en train de charger, hein, voilà. Et il nous a refusé l'accès. Je sais pas, on est à combien de pourcents là, 21 je crois il me semble. Donc là ça nous a téléporté à un endroit. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut jeter ça. Taper lui, prendre ça, tuer lui. Taper lui, comme ça, bim. Ok, ces poteaux qui arrivent, donc on est dans la merde. Mais non, parce que j'ai une arme à fusée à pompe qui peut être utile. Le poteau ici, il est mort. Hop, il y a le poteau là. Ah putain. Plus de balles. Le poteau là qui est mort. Et je suis mort aussi. Ah d'accord, l'autre était pas mort, il m'a tiré dessus avant. Soi-disant, je vais rage quit. Est-ce que ça me gonfle? Non, mais j'ai sauté. Ça, c'est nul ça par contre. Le saut dans le jeu en fait il sert un peu à rien en vrai. Je trouve que c'est un peu nul. T'es sérieux? Non, j'en ai rien marre.
je n'en peux plus. J'avais vache kit, j'avais vache kit. Je vais rush kit, je vais rush kit. Oh, alléluia, alléluia. Oh putain, ça fait une heure que je suis sur ce niveau. Ça fait au moins 40 fois que je le refais cette merde. Oh putain. Oh oui, c'est magnifique ça. C'est beau. Je peux pas me tuer, je suis invincible. Vous êtes encore faible. Voilà, nous sommes dans la cage encore. Oh la vache, ce niveau m'a tué. Enfin, ces deux derniers niveaux m'ont tué en fait, en vrai. Il y aura un bord de montage, de coupure sur cet épisode. Mais bon, je sais pas si c'est la fin. Écoutez, on verra ça après. Je sais qu'on a pris contrôle du cerveau. Quelque chose vous retient. Parce qu'en fait, eux ils veulent nous, on va dire, nous aider, je crois. Ils veulent qu'on tue le cerveau, et après ils veulent qu'on se libère. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous empêche de partir. Donc c'est cette fameuse cage là, ça y est, c'est ouvert. On va partir dans la lumière. Cet esprit est virtuel. Taper avec la gâchette. Mon corps me retient. Voilà, c'est ça qui retient en fait. C'est le corps. Mais ces enfants, en fait, ils nous prennent, ils nous bloquent. Et puis du coup, ils veulent qu'on fasse quelque chose avec notre corps. Vous allez voir. Il libérait votre esprit. Donc on a une arme. On se demande pourquoi. Et puis, vous voyez, on se voit bien dans l'écran. Désolé, mon gars. Voilà, on est mort. En fait, on doit se tuer pour pouvoir se libérer dans l'esprit informatique. Voilà, mode infini débloqué. Donc ça, j'avais déjà débloqué, je crois, mode infini. Et là, en fait, on peut voyager. Donc notre esprit est enfin libre dans l'ordinateur, on va dire ça. Donner le contrôle. Donner le contrôle, voilà. Je crois que c'est fini, voilà. C'est générique de fin qu'on va apparaître normalement.
va le passer. Hein. Il s'efface tous. Qu'est-ce qui va se passer? Un des nôtres. Ils vont nous dire que tu es un des nôtres. En fait, maintenant, je suis un des leurs. Enfin, je suis le gars dans le jeu. Et, enfin, voilà, celui-là qu'on contrôle et un des nôtres. Enfin, un des leurs, quoi. En fait, ce que je comprends bien, c'est qu'en fait, chaque personne qui vont là-dedans, ils sont emprisonnés, en fait. Et du coup, en fait, voilà, ils disent, dites ceci à vos amis, c'est le FSS plus innovant auquel j'ai joué depuis longtemps. Et donc là, voilà. En fait, là, on envoie un message à nos amis. Salut, donc le nom ici, on s'en fout, c'est un, on va dire, Molitaire, admettons. Faut que tu joues à ce jeu, c'est le FSS le plus innovant que j'ai vu depuis des années. Qu'on envoie ça, hop. N'en dites pas trop, comme ça les gens vont venir, tout ça, machin truc. Gardez le secret. Et après, bah, ça va être la même chose à chaque fois, quoi. Obéissez, bah oui. Maintenant, nous sommes un esclave de virtuel, hein, voilà. Félicitations, vous pouvez maintenant jouer à Super Hot pour toujours. Magnifique. Jouez au mode infini, terminez les défis et entraînez-vous. Parlez du jeu autour de vous. Vous en êtes responsable maintenant. Il manque le thème maintenant. Je crois. Je ne me trompe pas. Partagez vos replays sur... Ouais, on peut les partager, les replays, c'est sympa ça. Sur le site, j'y étais sur le site, c'est sympa. Cela attirera plus de joueurs. Nous vous surveillons, faites-nous honneur. Appuyez sur B et maintenez-vous au travail. Voilà, en fait là, ça nous télécharge en soi les... tous les trucs, mais bon, c'était déjà de là depuis le début du jeu, hein, comme je vous ai montré. Donc normalement ça n'a pas bougé un hein, niveau truc. Voilà, c'est toujours le même endroit que j'étais. Voilà, c'est sympa, franchement comme jeu c'est sympa. Donc le mode histoire n'est pas très long hein, vous voyez j'ai fait 10 minutes par épisode à peu près, des fois 20 comme là il dure au moins 20 minutes je pense celui-là avec tous les montages que je vais faire. Parce que là je sais pas combien de temps il dure, je pense qu'il dure au moins 40 minutes avec tous les fails que j'ai fait. En tout cas j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Je vous dis salut à tous et à d'autres let's play.